Hop, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme convenu sur du Witcher 3. Allez, je vais juste mettre mes lunettes parce que mal de crâne, tout ça. Bon, ça va être malade, mais bon, là c'est la crâne et tout. Et on est parti. Alors, j'ai juste même 2 secondes. Hop, je relève un peu le micro. Et c'est parti, allez. Pourquoi remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui? On va aller voir Triss. Une magicienne, c'est encore pire. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Ah, du balai, qu'on puisse piller tranquille. Eh, coucou Doro. Je vous donne jusqu'à 3 pour déguerpir. Comment tu vas? 1. T'as entendu? 2. Ouais. Marrant. Triss me rigole. Il croit nous faire peur. 3. C'est pas parfait. Tu ce dragon, dos sur lui. Je veux juste un peu le son du jeu, il est fort. Ouais, ça va, tranquille. Non, arrêtez, pitié. Qu'est devenue la magicienne qui vivait ici? Elle doit sûrement se terrer dans un trou à rats avec les autres. Je vais juste le baisser un peu, t'inquiète. Alors, attends, je vais faire ça tout de suite, comme ça, ça sera fait. Je sais pas. Hop. Est-ce que ça sera bon, là? On va voir. De qui se cache-t-elle? Ah, c'est fort aussi, encore. De la garde du temple. Elle traque tous les sorciers. Il les enfume comme des rats. C'est qui m'a MP? Pourquoi c'est fort, le son? Audio par défaut, casque, tac, appliqué, ok, une petite seconde. Hein. Witcher 3, il a pourtant un baissé à fond, paramètres du son, hop. Niveau 50, 1m22. Donc casque, ça donne quoi? Il a 12, donc t'as 18, on va voir. Tac. Hop. Quelqu'un doit certainement en savoir plus. C'est quoi là? C'est pareil. Je tenterais ma chance. Bosquet putride, si j'étais vous. Le bosquet putride. Quel nom évocateur. C'est encore le fort. Le pire ou... trouer qu'on ait vu. Repère de la racaille de tout poil. Pas un endroit pour les honnêtes gens. C'est pour ça que je suis censé y retrouver mon ami. Je voulais pas t'offenser. Ça a l'air fort encore. Mélangeur. Hop, on met à 5, 6. 6, ce que ça donne là. Le bosquet putride, où est-ce? Aucune idée. Ça a l'air d'être bon, là. Pareil qu'il y a que des monstres et des parias là-bas. Tu serais à ta place là-bas. Possible. L'ennui, c'est que j'ignore où c'est. Il paraît qu'on peut y accéder par les égouts. L'entrée est à l'extérieur des murs. C'est encore de fort, faut me le dire. Je sais pas si c'est encore un peu. Peu de gens savent exactement. Ouais, c'est encore fort. Ok. Demande à un mendiant. Ou alors repère-toi un peu. Putain. Pourtant, j'ai bien baissé quoi avec le monde. Paye un genre de tribut au roi des mendiants. Au bosquet, à ce qu'on dit. Alors, fais un truc. 5 sur BS directement. Les mendiants du coin ont c'est un bon, roi. Ou c'est avec pareil. Une couronne, un sceptre, la totale. À ta place, je me moquerai pas, mon gars. C'est encore fort, faut me le dire, je passerai encore un peu sur BS directement. Ce type est respecté de tous à Novigrad. J'ai le stream, Omnium, côté son. J'entends tout. Meng lui-même évite le bosquet. On me demande. Je suis curieux de savoir pourquoi. C'est Meng. La garde du temple. Normalement, j'ai baissé, là. Faut me dire si c'est bon ou pas. La vermine chapardeuse en salle de confession. Mais, monsieur, quel mal on fait? C'est la boutique d'une foutue sorcière. Ça t'autorise c'est encore à fort, je te baisse encore. Bah, les sorcières, les mages et tout le tintouin, c'est dehors la loi. La loi, justement, attribue leur bien à la garde du temple. Et c'est toujours la loi qui règne à Novigrad.
Je sais pourquoi il m'a déréglé les. Il m'a déréglé les réglages que j'avais fait. Mais bon, je cherche à comprendre. Que voulez-vous? Où voulez-vous en venir? C'est moi qui pose les questions. C'est les trash. Moi? C'est mieux. Ce sont les okay. anomalies. Je vais baisser encore un peu. Tac. Et que j'avertis. J'ai baissé là. Elles ne sont pas les bienvenues. Fort pour le micro. Ce que ça donne. Micro, c'est bon. Je vais juste désactiver un truc. Hop. Les mages ne sont déjà plus les bienvenus à Novigrad. C'est encore un peu fort. Je passerai encore. Que reste-t-il? Les honnêtes gens qui professent la seule vraie foi. J'ai l'impression que c'est encore un peu fort. Hop. On va baisser à 12, on va voir. Je ne puis rien faire pour l'instant, mais sache que je t'ai à l'œil. Un faux pas, une erreur. J'ai baissé, on verra bien. Dites-moi. Dites-moi si c'est bon ou pas. Je serai le premier à verser. Là, ce sera la procédure habituelle. Comme pour toute erreur. J'ai mangé mon casque. J'ai fini de charger. Au plaisir. Mets des patates dans la bouche, toi. Salut, Trash. Comment tu vas? Alors, repère les bandits sur la place et suivez-les discrètement. Toutes mes excuses, mon bon seigneur. Un peu tenu, sale pouilleux. La bourse, au voleur. Mauvaise idée de venir en ville. Il fallait rester dans les arbres. Ça va. Il se raconte de beau. Et ensuite, quelques tribus discrétionnaires à la Redania ou... L'exil. Ah. C'est pas du vrai feu. Si, mais ils étalent de la cendre sur leurs lèvres, tout comme la fongine. L'aumône pour un pauvre. Ayez pitié d'un miséreux qui a connu bien du malheur, bonne gens. À Novigrad, on n'a rien gratuitement. Encore des questions. D'où vous tirez l'idée qu'on sait des choses, nous autres mendiants? Faut que je voie ici. Faut que je trouve ça. Qui a volé mon frère, j'en sais foutre rien. Je vais voir ce que ça donne, c'était le tracteur. C'est cool, merci. Il existe un endroit à Novigrad qu'on a plus tard. Merci de passer le dimanche avec nous, c'est gentil. Ben voyons, c'est pas les noms bizarres qui manquent à Novigrad. Pour visiter, acheter une foutue carte. J'ai ouï dire que les gens comme toi s'y rendaient. Et moi qu'on vous nourrissait de crottins et que ça vous plaisait. Enfin... C'était dit sans méchanceté. Allez en paix. Allez manger au Martin de Fer. Ça a calé pour au moins deux jours. Je vous écoute pour être placé quand il jette les rats. J'aurais pas dû manger ces rats. Mais, t'as vu les nouvelles serveuses? Non, elles valent le coup d'œil. Censé me dire. Comment? De belles filles chez nous. D'abord, si tu lui es montré. Tendez là une petite pièce pour un vétéran des escadrons. Où as-tu combattu? D'abord à Angren, pour finir à Sidaris sur les rives du Pontard. Alors ma pièce. Tiens, à toi de m'aider. Tu dois trouver ce que les gens d'ici nomment le bosquet putride. C'est important. Jamais entendu parler d'un bosquet, putride ou pas. La verdure, c'est pas mon truc. C'est urgent. Fichez-moi la paix. Je ne sais de rien. Comment dire là. Soyez bon pour un pauvre diable.
qui n'a rien pu se mettre sous la dent depuis près de 3 jours. Entendu. Tu auras ta couronne. Une couronne suffit, Seigneur. Quand on a le ventre tellement vide qu'il en est tout rabougri. Je peux te donner plus à une condition. Dis-moi où tu rapportes ton butin du jour. À ma chérie, pardon. T'en es où dans l'histoire? Je te dirai ça après. Je crois que tu ramènes tout au bosquet putride. En ce qui me concerne, le roi des mendiants, il peut se carrer sa couronne dans le cul. Et puis la pousser profond avec son sceptre. Il aura pas une piécette de ma part. Tu es très courageux. Ou franchement stupide. Ou franchement stupide. Ils vont faire quoi? Me casser les jambes? Tant mieux. Kudjat, je récolterai 2 fois plus. Ils pourraient commencer par te casser les jambes. Une pièce pour ma future veuve, alors. Tiens, maintenant dis-moi où je peux trouver le bosquet putride. C'est le moins que tu puisses faire. J'en sais rien, et croyez-moi, je tiens pas à le savoir. Dieu vous protège. Dieu vous protège. Alors, dans l'histoire, au niveau des quêtes, bon, ça c'est le DLC. J'ai déjà fait tout ce qui était à Velen. Là, je suis en train de faire les trucs à comment ça s'appelle, à Novigrad. Du coup, cette quête-là. Voilà. Voilà, voilà. Éternel, entends notre prière. Tu as du sang elf. Tu fais des un deux. Les DLC aussi. Ouais. Je fais tout. A Z. N'auriez pas une couronne pour un vétéran de guerre? L'aumône. A Z. Histoire principale et puis les deux DLC derrière. Rien à dire que sur la jambe et les bras comme les ailes d'un moulin. Voyez comme il tourne. J'ai jamais fait le DLC, donc ça sera l'occasion. Mais la tête. Ce sera l'occasion. Je cherche un endroit surnommé le bosquet putride. Je sais, mais je dirai rien. Et pourquoi? Pas le droit. Connard. Mais à vous. Si vous insistez pas trop là-dessus, revenez une autre fois, je vous le dirai. C'est vraiment embrouillé là-dedans. Puisque je vous le dis. C'est pas faux. Génial. Du coup, il en reste encore à voir. Les types dans ton genre devraient pas être admis. Citoyenne. Fais le serpent maintenant, l'autre. Vous appelez ça une vie, sorceleur? Ah, bah, on va profiter pour prendre des quêtes. Hop. Salut. Merci de me laisser tranquille. Gâteau. Gardez vos distances. Le feu éternel soit avec vous. Écoute, mon jeté. Trouvez. Il a senti quelque chose. Prenons un peu de champ. Quel phénomène! L'aumône pour un pauvre. La pluie printanière arrose les routes. Monsieur, la charité, la couronne, ma mère est malade. Si je la nourris pas, elle va mourir de faim. Très bien, tu auras ta pièce. Mais dis-moi d'abord où trouver le bosquet putride. Bosquet putride. J'en sais rien. Gardez votre pièce et foutez-moi la paix. Balayez du vent. Jolie poulette qui se dandine par ici. Lolo a trouvé quelque chose.
Il est arrivé à Foltes déjà. Je me gourre peut-être, mais pas. J'en ai marre de vivre. Dans la vie. Savoir prendre des risques sans se faire baiser. Tu fais ce que tu veux. Notre monde brûlera. Il brûlera dans le feu éternel. Mon môme est malade. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Il est prudent, le bougre. Restons à distance. Ouais, et en prudent. La seule belle chose dans cette vie, c'est les gens. Dis pas de distance, c'est très bien. Tu as du sang elfe, toi, non? Tu. C'est par là. Frapper à la porte. Qui t'es? Qu'est-ce que tu veux? Je visite la ville. Je suis curieux de savoir ce que cache cette porte. Mon beau-frère était curieux. 25 ans fantastique où il bouffe les yeux. Ah, le bâtard. Regarde-moi. Que vois-tu? Des yeux jaunes. Deux épées. Un fleur mutant, je dirais. On dit que cet endroit est un lieu de réunion pour les erreurs de la nature. On dit vrai. Avec mot de passe, accès gratuit. Sans, il y a une taxe d'entretien du bosquet. Je n'ai pas de mot de passe. Alors faut payer. Attrape. Tu peux entrer. Un dé, on en profite. Mais d'abord, tu dois me remettre tes armes. Elles seront bien au chaud dans mon casier. D'accord. Mais ne les quitte pas des yeux. T'inquiète, ne bouge pas d'ici. Repasse quand tu auras vu le roi.100 points d'XP. Quel est le problème? Parlez au roi des mendiants. Regarde ce que j'ai trouvé. Alors, comment ça tac, se passe? Il est ouf. Il grand temps qu'on clarifie un truc magicien. Oui, grand temps. Moi et mes gars, on s'en sort très bien sans l'aide des mages. Mais vous autres, sans nous, vous finirez cuit à point par la garde du temple. Mais qui voilà? Ah bah tiens. Salut, Triss. Triss Merigold. Waouh! Vous connaissez, on dirait. Vous vous connaissez bien, mais... J'étais curieux de voir si tu allais me trouver, sorceleur. Tu me trompes ou tu as une affaire à me proposer? Qui sait? Un gars qui se balade avec deux épées et sait s'en servir peut toujours être utile. Tu aurais pu envoyer un de tes sous-fifres me chercher. J'aurais pu, mais j'avoue, j'ai voulu voir comment tu t'en sortais. Si tu étais aussi futé que mutant. Vois-tu, sorceleur?
J'ai mes plans. Et je vois grand, histoire de remodeler cette ville des pieds à la tête. Tu as songé à abriguer un poste au conseil municipal ? Le conseil est une troupe de marionnettes dont le hiérarque du feu éternel tire les ficelles. Enfin, qui les tirait jusqu'à ce que Radovid et ses chasseurs de sorcières ne reprennent les rênes. Le pouvoir fantoche ne m'intéresse pas. Quel visionnaire. La prétendue cité libre de Novigrad le sera vraiment. Mais il faut d'abord se débarrasser des superstitions. Péter à tout va en affirmant l'essence divine du feu éternel. Un con pour mioche. Visiblement non. Il est sérieux lui. Péter à tout va quoi. Le délire à l'exécution était surtout composé d'adultes. N'importe quelle foule applaudit quand ça sent la chair calcinée. Mais un jour, les gens comprendront que le feu éternel est une laisse qui les étrangle. Ils appellent cet endroit le... Oh, elle est chouette son armure, Atrice. Je l'avais pas vu. C'est tout le reste de Novigrad qui pue la charogne. Ici, c'est le dernier bastion de normalité, de bon sens. Content de voir qu'un homme comme toi a fini par rallier notre ville, car elle sera nôtre un jour, Geralt. Tu verras. Nôtre ? Pluriel ? Ouais. À moi et à mes amis. D'ici là. Je te raconterai une autre fois. Pour l'instant, je vous laisse en tête à tête. Vous semblez en avoir besoin. Geralt, j'ai beaucoup de choses à faire en ville. Je serai très heureux de t'accompagner. Je viens de voir un décolleté là. Mama. Quel est la nature de ton corps ? Il t'utilise ? Disons plutôt qu'il m'aide à survivre. Il y a 6 mois, j'aurais eu peine à croire que Triss Merigold travaille pour le compte d'un criminel de Novigrad. Chouette son armure, putain. Il y a 6 mois, Triss Merigold a... Madame la magicienne, toujours aussi radieux. Dommage que vous partiez. Pas de panique, je serai bientôt de retour. Donc l'eau, et très mon moyen, ami quoi. Aimerait récupérer ses armes. Et bien sûr. J'ai dit que je les lui rendrai et je m'en vais lui rendre. Tiens, la tombarda. Merci. Faites bien attention à vous, mademoiselle. Novigrad, c'est plus que c'était. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Tu es à Novigrad pour une affaire importante, j'imagine. Importante. Tu ressens l'écouté de la moitié. Je cherche quelqu'un. Plus précisément ? Une jeune femme qui est comme une fille pour moi. Elle ? Ici ? Non, c'est impossible. C'est pourtant vrai. Des gens l'ont vue. Il y a des traces de son passage. J'espérais que tu saurais quelque chose. Tu connais bien cette ville. Aide-moi à trouver quelque chose, un indice, n'importe quoi. Je ferai mon possible, évidemment. Qui pourrait en savoir plus ? Par contre, le haut, ça va pas avec le bas, quoi. Voilà. Très moyen, mais bon. Ah, c'est les portes au calme, comme ça. Bonjour, Cloug. Vous vous êtes procuré les ingrédients pour mon encens magique ? Oui. Enfin, il y a eu un pépin. Je marchais le long du canal, en coltinant un sac plein de marchandises pour vous. Je lève les yeux et je vois 3 gardes du temple venir dans ma direction. Venez-en au fait, Cloug. Ce n'est pas le jour pour vos récits interminables. Attendez, un sac plein d'ingrédients magiques et ces gardes qui foncent droit sur moi. Je suis pas un lâche, mais j'ai senti la sueur froide me couler jusqu'aux derches. J'avais pas le choix. J'ai lâché le sac dans l'eau, et bien obligé. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai répondu que c'était un chat crevé. Eh ben, ils m'ont cru. J'en avais besoin, Cloug. J'ai un contrat à honorer. Et il est au fond du canal. Heureusement, il était assez dense pour couler. C'est sûr qu'en sondant, on pourra le retrouver. Vous comptez être payé alors que je vais devoir plonger dans une eau fétide et glacée pour récupérer le sac ?
en charge. Où avez-vous largué le sac? Près de la grue. Deuxième pont en partant du port. Je ne m'attendais pas à un pareil dévouement. Ça me rafraîchira. Allons-y. Ça calmera tes ardeurs. Vous entendez? On est attendu. Il a fallu que je lui travaille les talons pour qu'il craque, imbécile. À chacun son point sensible. Une fois je cuisine un mage, la douleur n'y fait rien. Je lui arrache les ongles, je lui broie les roustons, que dalle. Putain. Mais il est chatouilleux comme tout. Je lui colle un scarabée sur le ventre. Je couvre avec un bol et le tour est joué. On a eu de la chance ce coup-ci, mais passez plutôt par les égouts. Il y a une trappe par terre. Faites attention à vous, Kong. Forcément, les broyeurs. On va juste se soigner par contre. Récupérer les mutagènes si on peut. T'es fatigué apparemment. Ouais. Je commence à être malade du coup. C'est juste chiant quoi. C'est juste pénible quoi. Ah bon, c'est avec. Ça signifiait quelque chose autrefois. C'est bien pour ça que de nombreux mages sont venus ici après le massacre de. Pas mal de guêpes qui traînent en ce moment, et du coup. Au lieu de quoi, ils se sont jetés dans la. Malade aussi, mais bon, tant pis, pas. Mais Novigrad est assise sur une montagne d'or. Et pour gagner une guerre, il faut trois choses : de l'or, et encore de l'or. C'est pour ça qu'ils exterminent les mages et confisquent leurs biens. Ensuite, ils s'en prendront aux non-humains. Les elfes vivent dans des taudis, mais les nains ont la main mise sur les finances de la ville. Officiellement, Novigrad reste une ville. D'après Klug, le colis doit être au fond dans ces parages. Fort que les gens y sauf erreur de ce pauvre. Oula, par contre, je crois qu'il y a double dialogue. Cuisiné par Meng, il perd un peu la tête. Sans oublier son délire de persécution. Le courant a dû charrier le colis en aval. Je vais nager vers le port. Tu viens? Une autre fois, peut-être. Tu ne sais pas ce que tu rates. L'eau est gorgée d'huile caustique. Ça devrait faire des merveilles sur mon teint. Il est sérieux, Garrett? Tiens, il y a un truc là. Tout est bon à prendre, de toute façon, avec les plans et tout. Comment tu remontes? B. Hop, voilà. Elle est l'alcoolatrice. Oh my god. Tu as trouvé le colis ou tu t'es trempé pour des prunes? Rien de tel qu'un bon bain dans un canal immonde. J'ai déniché quelques poissons. Chopé des merdes. La carcasse d'une barque et. Oh, ça. Ma livraison. J'espère que le contenu n'a pas trop souffert. Tu es adorable. Tu sembles dans ton élément. Tu te rappelles la façon dont je manie mes éléments? 6 mois, ce n'est pas si long quand même. Et je suis loin d'être sénile. Mais l'amnésie et toi, c'est une longue histoire. J'ai retrouvé le plein usage de ma mémoire. Tant mieux. Hop. Comme ça, tu te laisseras moins mené par le bout du nez. Quelqu'un m'a mené par le bout du nez? Moi, par exemple. Mais je n'ai jamais insinué que... Dépêchons-nous. Oh, triste, quoi. Oui? Salutations, magicienne. Bonjour, Brandon. Vous êtes accompagné, ce que je vois. Ça pose un problème? Non, par le feu éternel. Je suis surpris, c'est tout. À vous deux, vous réussirez deux fois plus vite. Vous avez l'air de...
mais j'aimerais autant que vous commenciez sans tarder. Chris, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif ? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associé est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à blé de Novigrad. Entendu. Mettons-nous au travail. Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment, près de tout ce qui semble lié au rat. Ok. Par là, ouais. Ces chanteurs ont du talent. Rien à voir avec l'année dernière. Il y avait de quoi se crever les tympans. Non, en bas. Ah, mais aussi les paroles. Oh. Ces chansons. Alors, soit je suis complètement con, ça. On sait très bien. Soit c'est l'intérieur. L'intérieur. Pourquoi aller comme ça ? Le travail à l'entrepôt ne va pas se faire tout seul. Placer des pièges à rats. What? Cet endroit me paraît propice. Ce type ne me plaît pas. Brandon? Pas moi non plus. Là-dessus, je suis d'accord. Plus sérieusement, pourquoi n'a-t-il pas marchandé? Il doit avoir un vrai problème de rat. Chris, c'est un négociant. Marchander, c'est toute sa vie. Si je m'inquiétais de ce genre de choses, je mourrais de faim dans cette ville. Il manque un truc à placer. Tris, merci. Il doit être en haut. Non. Peut-être là. Je sais pas. On va faire le tour, on va aller voir. Là, y'a rien. Attends, je vais remettre normal. Hop. Là, c'est fait. Peut-être là. Y'a rien. Y'a rien non plus. Ouais, mais je vois pas le truc alors là. Je vais te chercher. Je vais. Là, y'a rien. Peut-être dehors ? Non, ça ouais. M'étonnerait. Pas encore. Mais what ? Là, y'a rien. Tu. Faut être cinglé pour courir sous cette pluie. I'm singing in the rain. Là-haut, je suppose qu'il n'y a rien non plus. Non. C'est bien en bas, mais où? Ouais, parce que j'ai tout fait, quoi. Je vois pas les trucs. Fais vite, Gérald. Ce grenier à blé est charmant, mais je préférerais quand même être. Tu m'étonnes. C'est un endroit où j'ai pas été. Cela. Là, y'a rien. Ah, trouvé.
T'as l'air, il était pas. Hein. Je suis passé devant et. Je crois que j'ai repéré tous les troncs. Parfait. Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique. J'active l'encens. Ensuite, nous aurons un moment pour discuter. Oui. Attendons maintenant de les voir détaler. Intéressante méthode. Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Il a épaté la galerie. Un lancer parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu dans le noir? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats? On est bien loin du rôle de roi de ta mère. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons... réconciliés. J'étais inquiet à l'idée de te revoir. J'imaginais mal la chose agréable. Nous avons vidé notre sac il y a 6 mois de cela. Je ne tiens pas à y revenir. Je n'y reviens pas, seulement... il y a un gouffre entre dire les choses et appliquer les décisions qu'on a prises. Nous avions promis de rester amis. J'espère qu'il en sera toujours ainsi. Dis-moi comment va Yen. Comment sais-tu que je l'ai trouvé? Tu n'as pas répondu à ma question. Comment va Yen? Je ne sais pas encore. Tu as une question précise en tête? C'est bon, j'ai ma réponse. Eh ben, ça détale comme des cafards. Eh bien, que vois-je là? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler. Le boulot est fait. Gérald, ce sont des... Je sais parfaitement qui ils sont, Triss. Mes amis, tenez à ce que je les prévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Je n'avais pas le cœur à leur refuser ce petit service. C'est un piège, Gérald. Je sentais bien qu'il y avait un piège sous roche. Avec un odorat aussi développé que le vôtre, je suis surpris que vous n'ayez pas déguerpi à la première occasion. Je n'ai pas pour habitude de déguerpir, alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez payer mon ami et faire sortir vos petits copains pendant qu'il en est encore temps. Ne soyez pas ridicule. Je n'ai pas engagé une magicienne pour la payer. Un bon conseil, mutant. Mêle-toi plutôt de tes affaires. Merci pour le conseil. Mais ce sont mes affaires. Bon, trêve de bavardage. Faites ce que vous avez à faire. Mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu ce fils de pute. Je ne vous le fais pas. Oh bah bravo. Ne les laissez pas ressortir vivants. Comment ça parle? Vous me cherchez des noises? Aïe. Bon, on va se calmer. Attaquez-le des deux côtés. Il l'a tué. Cette ordure m'a engagé alors qu'il n'avait aucune intention. Objet magique. J'ai comme une gamine. Si tu n'avais pas été là. Nous devons trouver Brandon. Mince. Non, Triss, s'il te plaît. Oui. Sortez de l'entrepôt. Hop. Pitié, messire. Épargnez-moi. Ils m'ont forcé. Si j'avais refusé de collaborer, ils auraient incendié ma maison, mon entrepôt. Les chasseurs de sorcières sont impitoyables. Laissez-moi vivre. Ne vous abaissez pas au niveau de ces meurtriers. La ferme. Je devrais vous tuer, mais mort, vous n'intéresseriez que les mouettes. Vous allez donc vivre et nous payer le double, tout de suite. C'est très bien. Voici votre ordre. Dégagez. Merci, Gérald. Tu devrais surveiller un peu mieux. C'était toujours mieux que certains mages. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour Ciri. Et une idée m'est venue. Une oniromancienne réside en ville, Corinne Tilly. Très capable, paraît-il.
Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs. Corinne est réputée pour être très efficace. Tu devrais essayer. Elle a accepté un travail près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la criée. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, De Jonquière, est un riche banquier. Tu ne viens pas avec moi ? J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt infesté de rats ? Pas exactement, mais guère mieux. Les temps sont durs. Ce fut un plaisir de te revoir. Plaisir partagé, Gérald. Tu devrais y aller avant que Corinne retourne se terrer. Non, non, trash. Si je, je t'explique, attends. Je vis au Lassie, près de la criée. Passe me voir. Quand tu voudras. Entendu. À bientôt, donc. J'ai ma fenêtre ouverte, du coup, parce que je crève de chaud, du coup, je suis un peu malade, du coup, voilà. Puis j'arrive un peu quand j'ai fini de dormir. Et du coup, oui, effectivement, t'as bien entendu une voiture passer. Enfin, reculer, quoi. Merde, je suis en retard. Vous ne faites que passer, vagabond, ou vous cherchez quelque chose ? Puis si, on va dire qu'ils sont un peu teubés, mais bon. Rudolf de Jonquière. Là où j'habite, ils sont un peu teubés. Mais bon, oui. C'est pas grave. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours, « Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. » Je cherche Corinne Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. Pourquoi vous intéressez-vous à l'histoire de cette maison ? Vous êtes historien, c'est une lubie ? Cette demeure m'appartient depuis peu, et je l'ai payée au prix fort. Très vite, j'ai été témoin de perturbations qui portent à croire que la maison est hantée. Quels sont les symptômes ? Oh, cela varie. Des gloussements nocturnes. La semaine passée, des meubles ont bougé au grenier. Et enfin, croyez-le ou non, j'ai trouvé ça vous arrive, je n'aurais pas vu. Même salon. N'hésitez pas à vous parler dans le chat, dire bonjour. Je suis banquier. On mord pas. Les maisons hantées m'effraient. Et savez-vous à quel point elle s'est dépressive ? En outre, Corinne a demandé à ne pas être dérangée. J'aimerais entrer. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées. Vous êtes sorceleur. Entrez donc, je suis bien luné. Si moi je mors. Ah. Et merde. Je ramasse, je ferai le trait après, hein, de toute façon. Je ferai le trait après. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. What? Wow. Oh non. Oh, pas du quoi. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. Elle doit bien dormir, hein. La poupée. Le grenier. Très bien. Passons au grenier. Halt. Partez. Ne faites pas ça. Fouillez le grenier. Arrêtez.
L'accès à la pièce suivante est bloqué. Effectivement. C'est le cas déjà, Stan Kinsey. Poupée. Un truc là. Dessin de perso. Examiner le dessin. Alors, dans l'inventaire. Objet de quête. Placer la poupée dans le berceau. Je devrais essayer d'en trouver un. Là, y a rien. On va descendre. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Putain. Les enfants un barouf dehors. Je vais mettre deux secondes, désolé. Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie, une énigme. J'imagine qu'il faut que je trouve un four. Halt. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Je t'ai fait peur? Je t'ai fait peur, pas vrai? J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal? On n'a plus le droit de rigoler? À quoi joues-tu? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas? Très drôle, oui. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Tu as de la chance. Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif. Mais les autres ne le sauront pas. Et là... Et comment tu sais que je suis un sélicole d'abord? Hein? Comment? Quand ça y ressemble et agit comme tel. Crois-moi. Tu es un sélicole. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes? Je tourmente personne. Moi, j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a achetée. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très cher, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas!
Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un Sélicol. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché ? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est tentée pour de bon. Tu lui dirais ça ? Et s'il te croit pas ? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic ! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Hop, désolé. Maintenant, on va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Il n'y avait pas un truc là. Si. Charbon. C'est quoi ça? Ah. Tac. Je vais ramasser le truc qu'il y a. J'en profite. De l'ambre. Hop. Un tonneau. Retournons voir la rêveuse. Hop. Bonjour madame. Qui êtes-vous? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu. Quel cauchemar atroce. J'étais censée révéler l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. Mm-hmm. C'était l'œuvre d'un Sélicol qui faisait croire aux gens que la maison était hantée. Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller ? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil ? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'Esturgeon Doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. À plus tard. Ok, bon bah on va sortir et puis à continuer. Hein. Hop. J'ai vu Mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue ? Ou est-ce le contraire? Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer, mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison? Oui. Effroyable, a priori. Bien qu'elle ait refusé d'en parler. Personne ne doit emménager ici. Une fortune envolée. Enfin, je ne suis pas sur la paille pour autant. Et un petit mensonge. Hein. C'est Garde qui régale. Salut, minable. Dans la vie, faut savoir prendre des risques sans. T'es allé jouer chez le bâtard récemment? J'y vais plus depuis qu'ils m'ont vendu du pisse. Interdiction de vagabonder ici. Aller à Skellige à ton âge. Elle est où? Non humain. Allez donc retrouver ton congénère dans les faubourgs. C'est un étage. Vivement la haute mer. Ah, rien ne vaut la première chope quand on rentre au port. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai.
Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre. Votre don, comment fonctionne-t-il ? C'est assez difficile à décrire. Je commence par définir le lien qui unit la personne et le sujet du rêve que je dois faire. Je pose des questions, je donne corps aux émotions. La sincérité est primordiale. Et si ceux qui viennent me voir en sont conscients, beaucoup hésitent à se livrer sur certains sujets. Ce faisant, ils brouillent involontairement les pistes. Que voyez-vous dans vos rêves ? Rien. C'est le client qui voit. Mon don se résume à provoquer les rêves pertinents. Parfois, cauchemars ou désirs violents prennent le pas sur le réel. Il n'est pas simple de trier le bon grain de l'ivraie. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but ? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri, elle se nomme Ciri. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Broquillon, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs, et la garder à jamais. Mais l'eau de Broquillon n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Broquillon avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais lié à elle. Par le destin ? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir ? Oui. Inutile de se presser. Nous avons le temps. Ciri perdit ses parents au cours de la deuxième guerre contre Nilfgaard. Ne sachant que faire d'une fille, je fis ce que j'aurais fait avec un garçon. Et je la conduisis à Kaer Morhen. Je pensais qu'un peu d'entraînement physique, d'escrime et d'endurance ne pouvait pas lui faire de mal. Je me rappelle de sa chute d'un mur décrépit. Une pierre se délogea et elle perdit l'équilibre. Je l'ai rattrapée in extremis. Mais mon plus vif souvenir, c'est ce jour où je l'ai vue sortir de sa chambre, en robe, et déclarer qu'elle était indisposée. J'ai su alors que Ciri devenait femme, chose inévitable, et je me suis senti perdu. Je vois. Souhaitez-vous me dire autre chose ? Oui, je crois. Dans ce cas, je vous écoute. C'était après son entraînement à Kaer Morhen. Yennefer venait d'appeler Ciri sa fille pour la première fois. Nous étions séparés. Je la savais en danger. J'ai rêvé d'elle à maintes reprises. Je l'ai retrouvée à la citadelle de Stig. Partie dans l'intention de libérer Yen, elle s'était fait capturer. Il voulait lui faire du mal. Je me souviens avoir combattu aux côtés de Ciri dans un escalier, rendu glissant par le sang versé. Pour la première fois, elle devient un carreau d'arbalète avec sa lame. Je lui ordonnais de ne jamais réessayer. Ces souvenirs sont puissants. Souhaitez-vous continuer ? Je n'ai pas fini. Je vous écoute. C'était à Rive. La deuxième guerre contre Nilfgaard venait de s'achever, les tensions étant encore palpables. Pour d'obscures raisons, la ville fut le théâtre d'émeutes raciales. J'ai voulu réagir, mais on ne peut rien contre une foule déchaînée. Un gamin armé d'une fourche, il me l'a planté dans le ventre. Yennefer se mourait, elle aussi. Ciri nous a chargés sur un navire et nous a laissés en un lieu où les pommiers fleurissent à jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs
Dites-moi plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la Sanguinaire, la rebelle qui a fini au bûcher? La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, il y a autre chose. Ciri est surnommée Dame de l'espace et du temps. J'ai demandé pourquoi à Yennefer. Ciri voyage entre les mondes. En fait, je ne sais pas trop comment dire. Je comprends rarement ce que Yennefer m'explique. Je sais seulement que cela ne se résume pas à bouger d'un point à un autre, et que le sang de Ciri contient un pouvoir immense. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, il y a autre chose. Je me souviens que Ciri a eu du mal à les contrôler. Yennefer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires. Ciri a détruit une grange, près du temple où elle logeait. Ça l'a beaucoup contrarié, mais ce n'était qu'une vieille grange. Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs. Et je doute qu'elle les contrôle pleinement, encore aujourd'hui. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Yennefer n'était pas à Novigrad. Triss était là, mais... Ciri n'a pas réussi à la trouver. Jaskier, peut-être. Ils s'adorent tous les deux. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Le thym et romarin? Où est-ce? Au sud-est du quartier animé, il y a un pont. Quand vous entrez en ville par là, le thym et romarin est juste sur votre droite. Jaskier a hérité d'un bordel. C'est ce qu'on dit. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri? Ouais. Eh bien...
Hop. Alors, ah bah j'ai pas le temps, c'est pas grave. On peut vous appeler à la rescousse, maître. On est un peu court pour une autre tournée. Parce qu'on est collègues, voyez. Vous êtes bien sorceurs. Nous, on est bouchers. Vous tranchez, on tranche. Mm-hmm. Sauf que les sorceleurs gagnent plus. Tout le village se cotise, les seigneurs ouvrent leurs bourses et les dames leurs cuisses. Mm-hmm. Je ne dois pas aller dans les bons villages alors. Je n'ai affaire qu'à des rapias et à des mégères. Allez, on va pas vous supplier. Et puis un sorceleur, c'est fait pour aider les gens dans le besoin, pas vrai? Croyez-moi, je vous rends un grand service en ne payant pas ma tournée. Maintenant, laissez-moi passer. Voilà. Surveillez votre langue, monsieur. Pas parce qu'on est collègues qu'il faut nous traiter comme des chiens. Nous, collègues. Oucle-là. Tu vas nous attirer des ennuis. Tu vois pas que c'est un sorceur? Hors de mon chemin. Je bougerai pas. Moi, si. Je reçois d'ordre de personne. Et j'ai pas peur d'apprendre les bonnes manières à un sorceleur. Patate dans ta bouche. Ah, bouge. Connasse. Ça suffit. On s'est compris. Rentrez, la fête est finie. Ah oui, je vais faire un truc avant. Normalement, j'ai un point de compétence. Tac. Mince. Une compétence qui est disparue, celle-là. Tac. Voilà. Du coup, au niveau 4, c'en est où? On est où? Autant et Romarin. Skellig, ça sera pour plus tard. Ça, c'est le DLC. Faut que je sois le 32. Hop. Allez, c'est parti. Je hais les vendus. On fait ça oh. Ici ou chez moi? Hé là! Ouh! Gaffe à toi, Dublin. Les types dans ton genre devraient pas être admis à Novigrad. Tu sais ce qu'ils disent, les types dans mon genre. Je dirais. Les jeunes de nos jours. Ouais, bah, va te. Hein, bref. Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le crâne. Et ne remettez plus les pieds ici, bande de rap. La prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul, jusqu'à les voir ressortir. What? Ah, ouais. Je suis en train d'imaginer la scène. Dégueulasse. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui était ce type? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croit chez eux. C'est l'heure de faire un bras de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Donne un coup de main. Ou un coup de pied. Avec plaisir. Merde, les gars. Laissez-le moi. Il l'a tué. Ça me rappelle le bon vieux temps. Pas toi. Oui. C'est comme si on n'avait jamais quitté Vergen. Maniez-vous
Et ta pauvre mère qui t'a paumé. Je vous l'avais bien dit qu'il fallait pas venir. Bon, voilà une bonne chose de faite. Je peux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une paye, mon ami. Salut, Zoltan. Tu as l'air en pleine forme. En fait, allez. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Mais je me rattrape sur la bière redanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? J'ai quelques problèmes. Mais je ne veux pas t'embêter avec ça. Tu te fous de moi? Crache le morceau et plus vite que ça. Je cherche Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps? 6-7 ans? Mais qu'est-ce qu'elle vient de faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle est la chasseuse sauvage. Oh, c'est pas bon, ça. Oh non, pas bon du tout, même. Pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier. Dans ce cas, on a un petit problème. J'ai connu des jours meilleurs. Attends, laisse-moi deviner. Triss? Yennefer, peut-être? J'ai parlé à Triss. Nous avons mis les choses au clair. Quant à Yennefer, eh bien... Ah, tu l'as retrouvée, alors. Raconte-moi tout. Une prochaine fois, promis. J'ai un problème plus urgent à régler pour le moment. Ce qui veut dire? Où est Jaskier? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Plus de Jaskier, la taverne remplie de soulards. Putain, j'en plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. Ouais. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que Jaskier passe le plus clair de son temps. Alors, deux secondes. Hop. Je vais faire un retour Windows, vite fait. Regarde un truc. Ok. Tac et tac. Il n'y a que des grands crus. Une lettre d'une muse reconnaissante. C'est pas très honorable de lire le courrier de ses amis. Ça me monte à la tête. C'est le luth que lui ont offert les elfes de Dol Blathana. Ouais. En temps normal, ils s'en séparent jamais. Dix tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Soden. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est son agenda. Ne me dis pas que Jaskier est devenu un homme d'affaires. De toute façon, s'il a consigné quelque chose d'intéressant là-dedans, il aura sûrement employé un code que lui seul peut déchiffrer. Et encore pas sûr. Il a pris du plomb dans la cervelle, tu sais. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Hé, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. Zoltan, je n'ai pas de temps à perdre avec les conquêtes de Jaskier. Elles doivent toutes vouloir sa mort alors qu'il est. T'as une meilleure idée? N'oublie pas que Jaskier est un moulin à parole. Elles seront peut-être quelque chose. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié et toi sur la tienne. Ça te va? Zoltan, attends... Le texte est en vers. Et alors? Ça t'étonne vraiment? Formidable.
Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendu. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si tu as besoin de moi. Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le crâne. Vous n'auriez pas une couronne pour un vétéran hérétique. De guerre. Ouais, ça va faire loin. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, bon allez, on va parler à tout le monde. Tu avais promis au petit bâtard de tout. Je vais payer jusqu'au dernier sou. Et les intérêts avec. Donne-moi juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier. Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon. À l'aide! Inutile de crier et rouler. Connard. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être? Pourquoi pas? T'approche pas, Grison, c'est pas ton problème. Prenez ça et laissez-la tranquille. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Vespula qui doit payer ou morfler. Je crois qu'elle a compris la leçon. Mais peut-être que vous en voulez une, vous aussi. Ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Allez, viens. On a ce qu'on voulait. Merci. Oh, merci. Heureusement qu'il y a encore des hommes comme vous. Capable d'aider une étrangère par pure générosité. Pure générosité, c'est beaucoup dire. Ouais. Et vous n'êtes pas vraiment une étrangère. Qu'est-ce que... Mais oui, je vous reconnais. C'est vous qui avez traîné Jasquier chez les putains. Géronte, c'est ça? Géronte. Non, pas Géronte. Gérald. Oh, Gérald. Désolé. Vous dites que c'est moi qui l'ai traîné chez les putains. Vous pouvez m'expliquer? C'est ce qu'il a dit. Il m'a juré qu'il n'aimait que moi, mais que vous l'aviez entraîné sur la mauvaise pente, vous et cet horrible nain. Les femmes, le vin, que tout ça c'était votre idée. Quel connard. Et les chansons, c'est notre faute aussi. Si jamais je le retrouve, il va m'entendre. À votre avis, où peut bien se trouver Jasquier? Sans doute dans le lit d'une putain, pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Oh. Je peux savoir ce qu'il a encore fait? À votre avis? Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières. Je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire. Jasquier vous a posé des questions sur les autres lavandières. Je l'ai connu plus subtil. Peut-être qu'il aime la mousse, allez savoir. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement? Rien de précis, en fait. Comment ça se passait au lavoir, qui étaient mes amis, leurs horaires de travail. Peut-être qu'il voulait en embaucher une pour sa taverne. Peut-être que je me suis monté le bourrichon pour rien. Cette femme sur les quais, vous savez qui c'est? Une nièce de Kovir, soi-disant. Nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à Jasquier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. Eh ben... Si jamais je vois Jasquier, vous avez un message pour lui? Non. Enfin, dites-lui que c'est un bonimenteur. Mais que... qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Ok. Je vais en faire des cauchemars. Bienvenue.
Bienvenue, entrez donc. Je suis un ami de Jaskier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses? C'est vous, Elial? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. À vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. C'est mieux comme ça? The fuck? Donc, vous êtes... Elial, oui. Et vous et Jaskier, comment vous êtes-vous rencontrés? Oh god. Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre-mort. J'aime autant ne pas connaître la suite. Je vous rassure, malgré l'alcool, il a vite réalisé. Et tu de toute façon, comme je lui ai dit, les hommes ne m'intéressent pas. Heureusement, Jaskier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Je veux pas savoir. Allez, salut. Vous allez effrayer mes gamins. Ensuite, parler à Marabelle. Hop. En chance du début. On va juste faire une toute petite sauvegarde avant de continuer. Histoire de ne pas se faire liaiser. C'est la famine, Abizima, vous savez. Ils mangent les carcasses. Quelle époque! Oh, un sorceleur. Hé, hey, mon mignon! Je dois faire quoi pour avoir la malheur de revenir? Le boucher de Blaviken. Encore trois personnes à parler. Hop. Là. Bof. Hop. Excusez-moi, je cherche Marabelle. C'est moi. Attendez dehors. Là, les filles m'ont terminé. Désolé, je n'ai pas le temps. Je cherche Jaskier. Je m'appelle Geralt et je... Geralt, je vous connais. Bien, puisque vous êtes si pressé, joignez-vous à nous. Les enfants, l'attrapeur de rats est malade, mais nous avons la chance de recevoir un sorceleur qui va nous parler de son métier. Quoi? Mais je... Ouais! Génial! Vous n'allez pas les décevoir tout de même. Tu m'en voudras ça. Bien. Qui veut poser la première question? Moi. Ça veut dire quoi que les sorceleurs sont lubriques? Ça signifie que nos mutations ont entraîné une forte augmentation de notre libido. Quoi? Ben, quand une fille aime un sorceleur, il lui dit « Tu feras quoi si je tue un monstre ?» Et elle dit « Tout ce que tu voudras ». Et alors, il lui dit « Hé hé, alors tu vas faire la bête à deux dos avec moi !» Oula. Et c'est comme ça que naissent les petits sorceleurs. Reprenez-vous les enfants, un peu de sérieux. Question suivante. Mon dieu. C'est vrai que les sorceleurs tuent les rois? Non, ce n'est pas vrai. C'est un menteur! Non, les sorceleurs, ils mentent jamais! Si, des fois ils mentent. Parce que c'est pas des chevaliers. Si tu veux tuer un dragon, t'appelles un chevalier. Mais pour tuer un zeugle dans le tas de fumier, faut appeler un sorceleur. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Rentrez chez vous, la classe est finie. Ouais! Dites au revoir à Maître Geralt. J'espère que vous reviendrez. Moi, je voulais voir le ratier. Ah bah, le ratier... Bien, je vous écoute. Que voulez-vous?
Merci pour la séance de torture. Vos gamins sont pires qu'une nuée de Necker enragée. Ça n'avait pas l'air d'intimider l'attrapeur de rats. Celui qui est tombé malade, c'est ça? Il est mort. De la peste bubonique. Je n'ai pas voulu effrayer les enfants. Mais vous vouliez me parler de Jasquier, je crois? Je sais que vous avez vu Jasquier récemment. Oh oui, le jour le plus long de toute mon existence. Il vous a déclamé ses poèmes? Non. Nous avons lu le guide illustré des champignons. Ah, je vois. En fait, non, je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures. Voilà ce qui l'intéressait. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium, j'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous. Vous avez revu Jasquier après cet incident? Non. J'ai bien pensé à lui donner une seconde chance. Il a un cœur d'or, il lui faudrait juste un peu de discipline. Hélas, il n'est jamais revenu me voir. C'est comme ça, c'est la vie. Merci de votre aide. Au revoir. Ouais, ouais, ouais. C'est bête, Seg. Ah, un level 11, cool. Ça fait mal. Ah ouais. Et qui fait ça? Tout le monde le fait. Vous vous laissez pas marcher sur les pieds, hein. Non, c'est personne. Moi, je serais sorti. Bah, dégueule, on fera le tri. Il me fait un peu peur. Vous avez dû en briser des cœurs, pas vrai? Si ce n'était que des cœurs. L'aumône, brave Jean, pour m'acheter du pain. Insiste bien. Quelle différence ça fera? Oh, une grande différence. C'est bien ici, chez la baronne de la Valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Cette place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Bonjour, sorceleur. Je ne pensais pas vous croiser ici. Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas? Gérald de Rive. Tueur de monstres et assassin de mon fils. Vous avez raison, général. Je ne suis pas ici par accident. Je cherche quelqu'un. Capitaine, ne laissez entrer cet homme sous aucun prétexte. Pardonnez-moi, Morvran, mais cette rencontre m'a passé le goût des courses. Tuer un homme et venir narguer sa mère devant chez elle? Tous les sorceleurs partagent-ils vos tendances suicidaires? Je cherche une fille, une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. Vos renseignements datent, j'en ai peur. Molly ne travaille plus ici. Vous connaissez donc bien Molly. Vous savez qu'elle ne travaille plus ici. Peut-être pourriez-vous me dire où la trouver? À cette heure-ci. Elle doit probablement siroter du rhum, en se demandant sur quel cheval miser. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Oh, mais je suis très sérieux. Après la mort d'Arien, le neveu de Louisa est venu présenter ses condoléances. Il a croisé le regard de Molly et ils se sont mariés peu après. Désormais, ils n'attendent plus qu'une chose, hériter. Maintenant que le fils de la baronne est mort, le domaine revient de droit au neveu et à son épouse, Molly de Latar. C'est à se demander si elle l'a vraiment épousé par amour. Difficile à dire, mais j'imagine que son amour n'est pas totalement désintéressé. Très bien. Et où puis-je trouver la nouvelle Madame de Latar? Cette chère Molly s'est découvert une nouvelle passion. Les chère passionnée, ça fait bâtard. Il l'a trouvée à la villa de la comtesse Wegelbud. C'est ma destination. Puisque vous m'avez privé de la compagnie de Louisa, accepteriez-vous de m'accompagner? Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait, allons-y.
Nous y voilà. C'est coquet. De toutes les créatures de cette région, aucune ne me fascine autant que les chevaux. Vous aimez les chevaux, sorceleur ? Un cheval ou un autre, pour moi, c'est pareil. Je les appelle toujours Ablette. Bizarre. La jument grise s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. C'est une belle couleur, le gris. Même pour un cheval. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod, les talons noirs. Un vrai pur sang Nilfgaardien. Je crois qu'il vous a salué, général. Vous avez l'air de vous y connaître. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle, sorceleur. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course ? Je ne suis pas venu pour ça. Allons, ne m'obligez pas à vous supplier, sorceleur. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture tannée à Nilfgaard. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout. Si vous montez les chevaux aussi bien que vous les connaissez. Parfait. Dans ce cas, choisissez votre monture. Au hasard. Hop. Je vais tenter ma chance avec le bai de Zirikania. Bien. Pour ma part, ce sera Cantarella. Allons-y, sorceleur. En selle. Vous êtes prêts ? Tu veux. Allez, sorceleur. Plus vite. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ne ménagez pas votre monture. Oh, j'ai pas l'intention. Oh putain. Il m'a fait peur ce coup. J'aime entendre le vent qui siffle à mes oreilles. Ne ménagez pas votre monture. J'aime entendre le vent qui siffle à mes oreilles. Allez, sorceleur, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ne ménage. Hop, ça c'est fait. Mon cheval a fait une belle course. Incroyable. Vous n'avez pas perdu une course depuis des lustres. Félicitations. Merci. Ceci vous revient de droit. Merci. Oh, regardez, Madame de Latar en personne. Vraiment ? La jeune femme autrefois, connue sous le nom de Molly, c'est elle, là-bas. Je vois. Merci. Je vais rester ici un moment. Revenez me voir si vous souhaitez rentrer à Novigrad avec moi. Oui. Celle, la nouvelle celle du coup. Celle Ténarienne, on va l'équiper directement, je crois. Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le crâne. Puis-je connaître votre favori, madame ? Difficile à dire. Je n'arrive pas à me décider entre l'étalon noir et la jument grise. Désolée, je ne vous connais pas, je crois. Je m'appelle Gérald. Gérald ? Le Gérald ? Celui que Jasquier a tiré d'affaire à maintes reprises ? C'est bien moi. Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis, et moi qui le sauve. Ah oui ? Vraiment ? Ce n'est pas Jasquier qui vous a évité le gibet à Flotsam en tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de 100 pas ? Quoi ? Jasquier n'est même pas capable de... Écoutez, peu importe. Sauriez-vous où se trouve notre maître archer, par hasard ? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps.
Depuis mon mariage, ma vie n'est qu'une succession de bals, banquets et autres... comment dire... festivités. C'est épuisant à force, je vous jure. Mais... sa sœur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Désolé de vous l'apprendre ainsi, mais Jasquier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette sœur ? Non, désolée. À chaque fois que je lui parlais d'elle, Jasquier faisait mine de ne pas entendre et il changeait de sujet. J'ai l'impression que Jasquier vous croit encore au service des Lavalette. C'est normal. C'est parce que je ne lui ai rien dit. J'avais trop peur qu'il change. Et votre mari n'est pas jaloux de cette vieille amitié ? Bien sûr que non. Mon canard est ravi que Jasquier m'aide à devenir une femme sophistiquée. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jasquier ? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge ? Pourquoi faire ? Pour m'emmener faire une croisière romantique sur le canal. Claire de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétille. Et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Merci, Molly. Attends. Ouais. J'ai un petit service à vous demander. Jasquier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est sa marotte. Il adore les faire admirer au premier venu. Oh, merveilleux. Merci, et bonne chance pour vos recherches. Merci. Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble, vous voulez bien ? Avec plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, Général. Je vous renvoie le compliment. Très bien, mettons-nous en route. Retour à Novigrad. Du coup, on va passer à la cinématique. Désolé. Fin du voyage. Merci pour votre compagnie. De même. Au revoir. Ok, du coup, il reste une personne à aller voir. De mystérieux meurtres dans certaines maisons. Le client a visé sa réputation vite pressée. Et juste à côté, pour le coup. Tu l'as attrapé ? Non, il s'est fermé. On va faire le tour. Ouais, c'était sûrement à la grande. Ouais, les deux donzelles ramènent toujours des drôles d'oiseaux. Que voulez-vous ? Je suis le nouveau cuisinier. Je suis le nouveau cuisinier. Et les deux épées dans votre dos, c'est quoi ? Des hachoirs ? Hors de ma vue. Je me prosterne devant toi, ô feu. Vous êtes sourd ou quoi ? On n'a pas besoin d'un cuistot, alors dégagez. Aïe, aïe. Vous êtes sourd ou quoi ? On n'a pas besoin d'un cuistot, alors dégagez. Trouvez mon train dans la ville là. On va essayer de faire le tour. Il faut avoir une alors, qu'est-ce que ce sera ? ça passera pas de toute façon. Non. Il faut avoir une sacrée audace pour prétendre. Vous faites injure à la majesté du. Alors, toute petite sauvegarde, tu sais.
Ok, il est en train de sauvegarder. Misère, quelle monstruosité. Pas moyen d'entrer. J'attends de vous un comportement modèle. Est-ce que je vais faire un développe ou pas? J'ai tous les points déjà. Merci. Ok. Attends, est-ce que ça save? Hey, vous êtes sourd ou quoi? Pas de vague. Cheveux blancs, venez donc jeter un œil. Je me prosterne devant toi, ô feu éternel. Level 24, t'étais évité, je crois. On va pas faire le con. Fais pas le fond, Kevin. Charge une partie, sauvegarde. Hop. Tiens, je pourrais pas rentrer. Conseilla d'aller voir Corinne. Oh my god. Recherche des âmes perdues. Guidé par Corinthy, le sorceleur fut un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jasquier étaient réunis. Gérald sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. Y a-t-il un pays Je ne suis pas raciste. Vous êtes sourd ou quoi? Elfe, nain, on n'a pas besoin d'un cuistot. Oh, dégagez. Oh. Comment je rentre là-dedans? Quête. Skellige. Hop. Alors, une petite seconde, je vais juste regarder un truc. Parce que là, je vois pas comment on rentre. C'est quoi le nom de la quête? Fleur brisée. Hop. Fleur brisée, The Witcher. Alors. Ouais, bah je crois qu'on va retourner voir Michel. Carte. Pelle de fiège. Liste. Comment tu rentres là-dedans? Je suis en train de chercher, désolé. Hop. The Witcher 3. Astuce. Alors. Ok. Ouais, il aurait fallu en fait charger. Hop. Épuisé et blessé, il m'a rechargé au milieu du marais. Une partie. Les paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. On va reparler vite fait. Ah, Gérald, vous. Avec. Je vous.
Michel. Hop, je passe vite les dialogues. Fin du. De même. Ce matin, Greta m'a rapporté que il y a eu des mystérieux meurtres dans cette maison. Je ne m'acquitte pas de la réponse à cette ville envahie. Ma maman te passe les mots. J'ai coursé ce petit con jusque dans le jardin. Que voulez-vous? Je cherche Rosa. Je voudrais voir Rosa Varhatre. C'est ça. Et moi, je voudrais chier de l'or. Dame Rosa ne reçoit pas n'importe qui. Je suis Gérald de Rive, un sorceleur. Écoutez, le jour où Dame Rosa se transformera en Strige, on fera appel à vous. Mais pour l'instant, tout va bien, alors passez votre chemin. Ah, putain. Du coup, il va m'envoyer péter, quoi. Putain. Que voulez-vous ? Chez nous au casinier. Je suis le. Et les deux. Hors de. Ok. Oh. Je sais pas comment je vais passer par là. Putain. Ouais. Désolé, on n'a pas besoin d'un sorceleur ici. Je me prosterne devant toi, ô feu éternel. Quête, faut que j'aille parler à Zoltan. Zoltan, je vais aller voir où il est. Zoltan, The Witcher 3, location. Zoltan. Ouais, Zoltan. Mets le micro. Alors. Alors, carte du monde. Porte. Du coup, ce serait par là dans le coin. Marchand. Certainement l'aubergiste. On va aller voir. Je sais. Hop. On va aller voir. C'est un carquois qu'on parle. Tac. Du coup, là, c'est il est pas là. C'est la dernière fois que je mets les pieds ici. Il est pas là. Il est pas là de quête. Hop, on va prendre toutes les quêtes. On les aura après. Alors, hop, carte. J'aurais dû noter l'emplacement, mais bon, tant pis. Thym et romarin. Thym et romarin. Ça fait toujours 3.
Alors, Major Novigrad. Peut-être là, aubergiste. Mon coin, je sais pas, on va voir. En train de chercher, désolé. Ça me prend la tête, je pense qu'on j'arrêterai. Ah ouais, ça doit être dans le coin là, mais. On va retourner là-bas. J'aurais dû noter l'emplacement, mais bon, tant pis. Cheveux blancs. Il veut nous parler. Ok. Ça peut être par là. Putain, je trouve pas où il est. Tac, on va sauvegarder. On va essayer de chercher sur internet. Cela brisé. Alors. Une épée en bois. Carte. Ouais, tant pis, c'est pas grave. On verra une prochaine fois. J'essaierai de trouver hors live. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je reprendrai peut-être ce soir, on verra. Vers 20h. Je pense qu'on continuera à The Witcher 3 vers 20h. Je vais vous dire à tout à l'heure. Et puis, à tout à l'heure. Pas de soucis, trash. À tout à l'heure. Je vais juste faire une pause là, parce que j'ai besoin de boire un café, d'aller manger un truc vite fait. Je reviens à tout à l'heure, vers 18h. Vers 20h. Autour de 20h pour. Ouais, ça marche. Bonne fin d'après-midi, trash. Bonne fin d'après-midi, à tout à l'heure. Et à tout à l'heure.